C'est possible de passer aujourd'hui? Non, madame, je reviens quand c'est prévu, et c'est prévu pour demain. Mais je peux pas demain, je me suis organisée avec les enfants, j'habite à 400 km. Montez. En fait, j'ai absolument rien à faire. Et pourquoi tu resterais pas? Et si tu me tutoyais, ça m'aiderait. Je vous présente Mina, une vieille copine. Elle a loupé son train, alors je l'ai dépannée. C'est épuisant de mentir. C'est trop de travail. Comment ça? Quand les gens savent que ton mari est en prison, ils n'osent pas te demander ce qu'il a fait. Je leur dis, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Demandez-moi, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait? Bijouterie. Il a fait bijoutier. Ah bah, j'aurais préféré. Et Yacine qui est venue me voir. Moi, j'ai tout perdu. C'est normal que je m'inquiète. Et moi, j'ai rien à voir avec votre bordel. Mais il n'y en a plus des montres. Tu étais au procès, putain. Je vois bien que ton mec t'en peut plus. C'est pas une vie, ça. Et toi aussi, tu peux comprendre. Toi aussi, t'en avales des couleuvres. On oublie la prison. On part en virée. Statut de barre en silence, c'est parce que vous avez un plan pour les montres. Peut-être que tu veux me piéger. On va pas commencer à mentir. Ah bon, y a toi qui as le droit, alors? Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles? Je sais pas qui embrouille l'autre. Est-ce que tu crois qu'on fait des erreurs ou des choix dans la vie? On fait ce qu'on peut.